Tous les détails, toutes les informations sont sorties maintenant, les amis. Salut, salut et bienvenue. Les informations utiles, c'est quoi, les amis? C'est que la Russie peut faire la guerre jusqu'en 2025 sans toutefois demander de l'aide à quelqu'un. Nonobstant le fait qu'on est en train de raconter du n'importe quoi sur une probable importation d'armes vers la Russie qui vient de la Corée du Nord, et on dit un détail des choses et tout, et dans leur propre classement, ils disent que la Russie, c'est l'un des meilleurs exportateurs dans le monde des armes. Voilà. Bon, vous voyez que la Russie produit plus, elle exporte plus, même les Coréens, les Chinois, tous ces gens-là achètent en Russie. Regardez ce qui se passe en Afrique, par exemple, comment la Russie envoie les armes, les vraies, les armes de pointe. Et ce sont ces armes de pointe que les Africains utilisent aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour en découdre avec ce groupe des bandes armées, des drogués qui ont été créés de toutes pièces par l'impérialisme occidental. Donc, vous voyez, les amis, donc aujourd'hui, sur leurs propres médias, c'est ce qui est intéressant, sur leurs propres médias, ils disent aujourd'hui que la Russie est capable de faire la guerre jusqu'en 2025. Donc, en fait, préparer l'opinion publique européenne pour les dire non, on a besoin de discuter avec la Russie aujourd'hui parce que cette guerre d'attrition que nous avons voulu, cette guerre longue qu'on a voulu dès le départ, et après on a réfléchi pour dire non, il faut une guerre courte et que ça va aller vite si on donne les armes, on donne les chars, on donne ceci, on donne les missiles, tant vanté, des choses que c'est seulement les médias qui maîtrisent bien, alors que sur le plan de l'effectivité de ces instruments de guerre, hardware envoyés en Ukraine, la Russie les abat, la Russie les détruit tous les jours. Donc vous voyez, ça commence à changer. Il commence à chercher à dire la vérité pour présenter la situation. L'hiver est en train d'arriver, les Américains ont des difficultés. Quand ils disent des difficultés, ça veut dire que le Congrès ne veut plus financer la guerre en Ukraine sans toutefois avoir les comptes. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on dépense cet argent? Ça se passe comment? Pourquoi la guerre? Ça se produit comment? Donc, toute cette question-là, c'est le Congrès en train de poser. Et là, ça dérange Joe Biden et l'administration Biden avec les faucons qui sont là-bas. Vous savez qu'à chaque fois qu'on vous parle de fourniture d'armes en Ukraine, c'est des milliards et des milliards qui sont gagnés par des trafiquants d'armes et des vendeurs d'armes. Et tout, nous tous, nous le savons, la Russie a même dit, avec les preuves à l'appui, que ces armes-là arrivent en Ukraine. Mais il y a une grosse partie que les Ukrainiens, des corrompus en Ukraine, mettent dans le marché noir. Et ça se trouve partout dans le monde. Et qui contrôle ce trafic d'armes? Allez vous poser des vraies questions. Je sais que vous êtes des gens intelligents. Vous savez qui contrôle cela et c'est destiné à qui ça passe, à finir entre les mains de qui. Voilà, les amis. Ils disent la Russie peut aller jusqu'en 2025. Donc le message est fort. Le message est pour dire à Zelensky, dit aux autres que nous pensons qu'en 2024, on pouvait faire quelque chose. Mais jusqu'en 2025, les Russes sont préparés à le faire. Ils ont transformé leur économie en économie de guerre. Nous, non. Donc, nous avons des difficultés. Les matières premières, on les achète. On n'a pas. La Russie est immensément riche. Donc, ça fait qu'on a essayé de plafonner le pétrole russe pour un baril à 60 $. Mais aujourd'hui, c'est 80, 90 $. Parce que la Russie a su contourner et ça a mis, c'est-à-dire que à terre tous les plans du G7 de l'Union européenne. Donc, ils se rendent compte aujourd'hui que ils sont seuls dans leur famille, ils ne sont plus puissants comme ils ont prétendu être puissants. Oui, hier, yeah, oui. Mais aujourd'hui, cette puissance est en berne. Donc, bon, utilisons le mot qu'on veut, ils sont en train de s'affaiblir et pour des raisons que nous tous nous voyons, des gens prennent conscience dans le sud global en disant, vous ne pouvez plus continuer à nous manipuler. Fini toutes ces manipulations-là, cette roubladise-là, nous, nous connaissons, nous ne voulons pas de cela. Donc, ça rend l'équation très, très difficile pour les Européens. Très, très difficile pour les Européens. Les amis, dernièrement, il y a un sondage qui est sorti. Sorti pour dire que les Russes veulent que le gouvernement de Poutine négocie, mais seulement sous les conditions suivantes, les amis. Les quatre oblasts que la Russie a déjà capturés doivent être reconnus par l'Ukraine que c'est la Russie. La Crimée doit être reconnue que c'est la Russie. Vous voyez la complexité de cette affaire. Nous le disons ici, on m'attelle encore que l'erreur de l'Ukraine, ce n'est pas, c'était pas, c'était désolé, des amis, c'était de refuser de négocier après le mensonge de Boris Johnson, qui est un menteur patenté. Si les Ukrainiennes en Minsk avaient décidé de discuter, peut-être qu'on devait parler uniquement du sort de la Donbass, ou du Donbass, le sort du Donbass. Mais aujourd'hui, il y a Mariupol, Melitopol, il y a Kherson. Donc, vous voyez que les Russes ont pris tout au long de la mer, et on parle là de 40%
dit que des zones qui donnaient 40% dans le PIB ukrainien, dont l'Ukraine est à terre aujourd'hui, ce sont des zones industrialisées. Donc, quand, toutes ces zones ont été récupérées par les Russes. Il reste quoi entre les mains de Zelensky et ses amis? Rien du tout. Donc, si les Ukrainiens décident de négocier sur les conditions de Russes, parce que ça va arriver dans quelques semaines, c'est là où les Ukrainiens vont poser des questions à Zelensky. À quoi donc a servi cette guerre? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas discuté dès le départ? Le pays a été diminué en termes de population parce que les gens sont morts, les gens sont en train de fuir, les gens ne veulent plus faire la guerre, les gens sont fatigués, l'économie est non existante ou inexistante, disons ça comme ça, oui, je crois que c'est la meilleure phrase. Inexistant, c'est sous perfusion, c'est des Européens, c'est des Américains qui injectent de l'argent. Sans cet argent, l'économie ukrainienne n'existe pas. Donc, vous voyez, les amis, que c'est un problème qu'on pouvait régler hier normalement, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à le régler. Même les Russes sont favorables hier à la guerre, aujourd'hui, ils veulent les négociations à quelque chose comme 59%, mais seulement sur leurs conditions. Donc, ça veut dire que les Russes ont gagné. Et la façon que les médias mainstream en Occident sont en train de traiter cette information aujourd'hui, les amis, démontre par A plus B que quoi? Qu'ils ont perdu la guerre. Oui, nous le disons ici qu'ils ont perdu la guerre, mais aujourd'hui, ils sont en train d'acter qu'ils ont perdu la guerre. C'est fini pour eux, c'est fini pour l'Ukraine. Et on a compris les esbrouffes. On avance comme ça dans le sud global et nous protégeons nos intérêts. C'est très important pour que on parle sur les mêmes bases, c'est-à-dire que la compétitivité, c'est tout. Vous ne vous devez pas nous imposer l'insécurité, imposer la guerre et vous nous demandez d'être compétitifs. En même temps, vous nous dites que vous n'êtes pas responsable de la misère. Vous contrôlez la monnaie, vous contrôlez l'économie, vous contrôlez la stratégie, vous contrôlez l'insécurité, vous imposez l'insécurité, vous imposez les guerres. Et vous pensez que le peuple du sud global va rester bras croisés pour vous dire, oh, allez, oui, c'est les tontons, c'est les tatas et tout. Non, c'est fini tout ça, les amis. Thank you for watching this video on this platform. Stay blessed and bye bye for now.